Bonjour à tous, moi c'est Marette et on se retrouve aujourd'hui pour parler de tricot et de couture. Alors ça fait un petit moment que je ne suis pas venue filmer, la dernière fois c'était, j'ai fait un vlog au mois d'avril. Voilà, et là j'en viens sur un format un petit peu plus classique, dans un autre endroit de ma maison, puisque là dans l'atelier il commence à faire une chaleur d'enfer. Donc j'ai un petit peu déserté et en fait ce qui se passe c'est que je couds plutôt le soir à la fraîche. J'ai pas énormément de temps devant moi parce que j'ai eu plein de déboires matériels. Voilà. Donc je vais essayer d'enchaîner un petit peu assez vite. Je vais commencer par la partie... je vais pas commencer par la partie couture pour une fois. Changeons. J'ai plusieurs projets finis à vous terminer et puis à vous montrer. Et j'ai plein de projets en tête, donc je vais vous montrer ça. Alors déjà, je vais commencer par ce que je porte. Alors je porte en haut. Je me recule. Donc en haut, je porte un petit top Ségur, hein, la base de la garde-robe estivale, dans un superbe tissu qui vient de la box Joli Lab, qui vient de la box Joli Lab du mois de mai. Et puis du coup, je vous montrerai, j'ai aussi fait la jupe de la box, et comme il me restait beaucoup de tissu, je me suis fait ce petit top Ségur. Et avec, je porte donc le pantalon, je vais me reculer pour que vous puissiez le voir, c'est donc le pantalon Lison, aussi de Joli Lab. Donc ça c'était le patron de la box du mois de mars, qui était dans un très beau tissu que je vous avais montré sur le vlog. Malheureusement c'était un tissu très beau mais très fragile. Donc voilà, ça je m'en suis refait un dans un tencel bleu marine. Et je vous parlerai en détail de ce patron que j'aime énormément et que je pense me refaire incessamment sous peu. Alors, en couture, je vais commencer par la dernière box Joli Lab. Donc on a eu ce très joli tissu, qui est absolument magnifique, et un patron pour faire une petite jupe élastiquée, avec des petits volants. Alors, je vous avoue que moi quand je l'ai reçu, voilà, après il faut dire que il faisait hyper moche, hein, le mois de mai a été quand même un mois, si j'enregistre, j'ai eu un petit doute de je n'enregistre pas, si, un mois quand même bien pourri, hein, il faut le dire. D'ailleurs, moi j'avais prévu de faire le mi-mai de mai, hein, bah, je me suis vite arrêtée parce que de toute façon, je mettais toujours la même chose et toujours la même chose que depuis le mois de février. Ça m'a un peu démoralisée. Voilà. Mais là, avec le beau temps, je me suis motivée donc, pour faire cette petite jupe Flora, qui est très très belle. Mais voilà, quand je l'ai reçue, voilà, ça m'a pas hyper enthousiasmée. Et en même temps, je me suis dit, attends de voir un petit peu les réalisations qui sortent, parce que c'est vrai que quand on reçoit la box, en fait, on a un dessin, le dessin technique et un dessin stylisé, aquarellé, mais en fait, on n'a pas de photo du vêtement en lui-même, du vêtement porté, de comment il tombe, de comment il se place. Et par exemple, là, sur le dessin technique, bah, c'était pas forcément indiqué que c'était une jupe taille haute ou que... voilà. Et après du coup quand je... voilà, une fois que j'ai vu le dessin, je me suis dit ah pourquoi pas. Et puis après je me suis dit de toute façon j'ai 1m80 de tissu, parce que du coup il y avait une variante jupe longue aussi, je vais faire la jupe courte et je vais me faire un petit chemisier ou un petit haut pour mettre en haut, en me disant eh ben en fait il va se passer un truc super cool qui ne se passe qu'avec la couture, c'est que je vais pouvoir faire 3 tenues avec 2 pièces dans ce même tissu, puisque j'ai mon top Ségur, j'ai ma jupe Flora, et quand je mets les deux ensemble, j'ai une robe. Voilà, c'est magique. C'est magique. J'essaierai de vous mettre, en fait sur Instagram, là, cet après-midi, avant de poster de faire mon podcast, j'ai essayé de faire un Reels, j'ai un accent...
anglais pas du tout assumé, voilà. Et du coup, j'essaierai, comme ça fait une petite vidéo, j'essaierai de vous l'intégrer à côté pour que vous voyez un petit peu comment j'arrive du coup à jongler entre les deux pièces pour changer de tenue en fait. Voilà, et ça franchement c'est un concept, je me suis dit, c'est quand même pas mal. Parce que, sur des tissus un peu forts ou des choses comme ça, on se dit, ah, une robe, ça fait peut-être un peu too much, et en même temps, juste un petit haut, c'est peut-être dommage, enfin voilà. Et si on a assez de métrage pour faire une jupe et un petit haut, et ben en fait, au final, on fait une robe quand on met tout ensemble. C'est quand même magique. Donc voilà, ma jupe Flora. Alors la jupe Flora, en fait, elle est franchement toute bête à faire, donc pour les débutants, pas de soucis. Donc, honnêtement, le patron, c'est 1, 2, 3, 4 rectangles. Voilà, 4 rectangles. Donc, un pour toute la partie corps, 2 pour les volants, et puis un pour la petite partie là, au milieu. Après, la particularité, c'est que donc, on vient retourner pour faire la ceinture. Et en fait, dans cette ceinture, on fait 3 coulisses dans lesquelles on vient glisser des élastiques. Ce qui fait, comme ils sont assez serrés, ce qui fait en fait ce petit effet smoké. Voilà. Et franchement, ça paye pas une mine, mais c'est super chouette. Et puis après, on vient assembler le volant là à la partie du bas. On les fronce ensemble pour les accrocher au corps de la jupe. Et puis après, on va juste finir avec le petit volant pour terminer. Voilà. Ça paye pas une mine, c'est tout simple et franchement l'effet est chouette. Après, je vous cache pas que moi je suis pas hyper, je suis pas une fille à fanfreluche quoi. Voilà, donc le côté petit volant dans tous les sens, je ne sais pas si j'assumerai, mais porté avec mon haut Ségur qui est très simple, du coup ça allège un petit peu en fait et surtout le haut je le fais blouser un peu donc il retombe sur la ceinture. Et du coup, voilà, ça enlève un petit peu de petits volants, trucs, machin, partout. Voilà, mais en tout cas, je suis très contente de cet ensemble, du coup. Je pense que je vais quand même prendre 5 minutes pour la passer et puis venir vous montrer quand même ce que ça donne. Alors, donc voilà, je me recule un petit peu. Donc là, mon top Ségur, je le fais bien blouser dessus. Et je vais pas me prendre les pieds dans le fauteuil. Voilà, du coup, alors j'avais un peu peur qu'elle me soit juste au niveau des hanches, parce que quand je l'ai essayé la première fois, c'était un peu serré. Mais bon, en fait, ça va. Après, bon, clairement, c'est pas le genre de forme, moi, qui me met forcément hyper en valeur. Voilà, à ce niveau-là, tout ça, voilà. Mais franchement, en plein été, là, quand il va faire bien chaud, je trouve ça vraiment chouette. Et sinon, à porter avec un petit t-shirt tout simple. Voilà. Je valide complètement le concept, en tout cas. En fait, je reste habillée comme ça. Hop, et je vais vous parler de ma deuxième réalisation pour moi. C'est... alors, je le remets bien. Je le portais tout à l'heure. Donc, c'est le pantalon Lison. Je vais refaire son petit nœud, là, devant. Donc c'est, je disais, le pantalon Lison de chez Joli Lab. Alors ça, c'était donc le pantalon de... Alors ce nœud est vraiment hyper mal fait, je suis désolée. C'était le pantalon de la box du mois de mars. Et en fait, c'est vraiment la box qui m'a fait craquer pour les box Joli Lab. Parce que, donc je sais pas si vous visualisez, mais du coup c'était un tissu bleu marine avec des grosses fleurs kaki et blanches, absolument somptueux, enfin franchement voilà. Et puis moi là, les pantalons larges, taille haute comme ça, vraiment je... En fait ça me va bien, voilà, j'ai quand même l'impression que ça me va bien, puisque du coup ça me marque la taille, mais c'est flou au niveau du ventre, et flou au niveau des fesses et des cuisses, enfin c'est flou là où il faut en fait, voilà. Et donc j'ai fait ce pantalon, malheureusement vraiment le tissu est très fragile, voilà. C'est un crêpe, hein. Enfin voilà, j'en ai parlé dans mon dernier vlog, voilà, rien qu'en le faisant, il y a des fils qui se sont tirés, tout ça, même si j'ai utilisé une aiguille très fine et neuve, bon.
Voilà, je l'ai mis cette semaine et franchement, j'ai essayé de vivre normalement avec et en fait, il y a déjà aussi des fils qui se sont tirés, malheureusement. C'est comme ça, après, c'est un tissu crêpe, bah les tissus crêpes, c'est comme ça, en fait, voilà. Après, ça, par exemple, c'est une viscose et franchement, on sent que c'est pas fragile du tout, quoi. Bon, toujours est-il que je me suis dit, je me refais un pantalon lison. Et donc j'avais en stock un beau tencel bleu marine que j'avais acheté je crois chez 1-2-3 coupons l'été dernier et qui attendait patiemment son heure. Donc voilà, donc la particularité de Lison, donc c'est un pantalon élastiqué, large, avec des grandes poches italiennes. Il y a deux plis là devant pour bien marquer et puis des jambes très larges et plutôt longues. On est vraiment sur du 7/8e et pas du mi-mollet. Et puis donc ce joli nœud devant et une ceinture élastiquée. Alors moi sur la ceinture élastiquée, ce que j'ai fait, vous voyez, c'est que j'ai fait des coutures en fait pour bien tenir l'élastique et faire aussi un effet smoké. Parce que en fait, moi quand je passe des gros élastiques comme ça, ils tournent, ils se replient sur eux-mêmes, enfin, et je passe mon temps à les remettre et ça m'énerve et voilà, et ça fait pas un beau résultat. Que je trouve que voilà, faire juste deux, alors j'aurais pu les faire un petit peu plus basses. Voilà, faire deux rangs de piqûres bien alignées comme ça, et ben ça finit vachement bien le vêtement et et voilà, et du coup, l'élastique ne bouge pas, et surtout c'est aussi beaucoup moins fragile. Parce que moi l'année dernière, je m'étais fait aussi une jupe culotte un peu comme ça, dans un crêpe de coton noir, et c'était dans le livre Homeware de Slow Sunday Paris, et c'était Aja, Freja, je sais plus le nom du modèle. Je l'ai beaucoup porté l'année dernière et en fait l'élastique est venu couper le tissu au niveau de la ceinture. C'est-à-dire à ce niveau-là, là. Et en fait j'ai une grosse déchirure et je peux pas le réparer en fait. Le tissu est vraiment déchiré. Donc voilà, j'étais assez déçue. Et alors du coup là j'ai bien entoilé. J'ai choisi un entoilage assez fort exprès pour que ça se tienne bien. Et le fait de coudre comme ça mon élastique, ça fait qu'en fait il va pas frotter, il va pas se balader et donc il va pas potentiellement abîmer mon tissu. Donc voilà, ça franchement, alors pour tout vous dire, je l'ai fini hier soir très très tard, je me suis couchée tard. Et vraiment quand je l'ai passé, je me suis dit, bah voilà, j'ai mon pantalon de l'été. Je l'ai pas descendu là mais du coup j'ai un tencel... jean clair que j'ai acheté chez les coupons Saint-Pierre, je vais m'en faire un aussi parce que c'est vraiment le genre de pantalon que j'ai envie de porter tout l'été quoi. C'est habillé tout en étant souple, léger, hyper confortable avec la taille élastiquée. Voilà. Et qu'est-ce que je voulais dire d'autre sur ce patron? Je trouve qu'il taille un peu grand. Moi j'étais partie sur une taille 42 sur ma première version. Et là, je l'ai refait en 40 et franchement, il tombe très bien. Parce que le 42, j'avais un peu repris sur les côtés et tout ça parce que ça faisait vraiment très très grand. Et là, en 40, il tombe absolument nickel. Donc voilà, à savoir, c'est pareil là pour la jupe Flora. Du coup, me disant que le 42 sur le pantalon était un peu grand, je suis partie sur le 40. J'ai eu un peu peur, mais au final, elle me va très bien. Et si elle avait été un petit peu plus grande, je pense que du coup, il y aurait eu du surplus de tissu au niveau des fronces en haut et ça aurait été moins bien. Donc voilà. Moi, je trouve que ça taille un petit peu grand. Mais une fois qu'on le sait, c'est pas un problème en fait. Voilà. Alors pour moi, je me suis aussi fait un basique que je vais me refaire là parce que je manque de t-shirt. Je me suis fait un petit t-shirt plantain, hop, tout simple. Voilà, dans un très joli jersey écureuil à pois blanc que j'ai pris sur une mercerie qui s'appelle Au fil du temps, je crois. En fait j'ai pris là parce que je sais pas, c'était un gros week-end de promotion, il y avait 40% sur tout, sur tout, voilà. Donc du coup j'ai pris quelques petites choses. En fait ils avaient un patron papier que je voulais depuis longtemps,
Du coup, j'en ai profité, puis après, j'ai complété ma commande avec d'autres petites choses. Donc, plantain, hein, on va pas... Voilà. Basique, mais bah, ça marche toujours très bien. J'ai longtemps utilisé avec un trop top. Et puis, en fait, je crois que j'ai plutôt envie de plantain, là, en ce moment. J'ai aussi décidé de m'en faire un dans un jersey marinière et puis dans un autre jersey là que je vous montrerai. Et l'idée de celui-là et sur le jersey marinière, c'est que j'avais envie de me mettre à la broderie et de broder un petit quelque chose ici. L'idée fait son chemin. L'idée fait son chemin aussi parce que, bah, comme je le disais tout à l'heure, moi dans mon atelier, l'été il fait très très chaud. Et je peux pas forcément coudre. Enfin, le soir un peu à la fraîche quoi, mais c'est pas toujours très agréable. Du coup finalement c'est plus l'été que je tricote et bah du coup je me suis dit bah pourquoi pas broder aussi un petit peu cet été, ce serait l'occasion de s'y mettre. Donc voilà, moi je vous passe pas hein, le t-shirt plantain. Je pense que si vous êtes arrivé sur cette chaîne c'est que voilà, peut-être vous connaissez quand même. Voilà, t-shirt plantain, donc c'est un basique de chez Direndo gratuit qui est sorti à super longtemps. Moi j'étais encore à Poitiers, je pense que ouais, c'était il y a 8 ans peut-être, un truc comme ça. 7 peut-être. Voilà. Et pour tout vous dire, j'avais imprimé la première version parce qu'il a été refait il y a quelques années quand elles sont passées au PDF. Et franchement, il y a des trous partout. Enfin, le truc il a. Donc j'ai fini par le réimprimer parce que là je pense que. Il était allé au bout de ce qu'il pouvait faire. Donc voilà. Donc bah voilà, là j'ai une tenue, deux tenues, trois tenues. Et puis, alors peut-être pas ça avec la jupe, mais voilà, avec un autre petit haut blanc, quatre tenues. Voilà, c'est quand même super. Alors après, je voulais vous parler de petites choses que j'ai fait pour ma fille. Parce que c'est pareil, j'ai enfin commencé son dressing d'été. Puisqu'il n'y a pas eu de dressing de printemps, voilà. Alors, ce que j'ai commencé par lui faire, c'est que dans les restes de ce tissu-là, je lui ai fait un petit legging. Un petit legging Kala, de chez Super Bison. Je ne l'ai pas là, et voilà, c'est un legging, hein. Rien de foufou. Et ensuite, alors je voulais vous montrer. Je lui ai fait cette jolie petite robe, dans ce tissu absolument... sublime, qui vient de chez Lulu la Luciole. J'avais vraiment craqué pour ce tissu. Et le patron, c'est la robe anticyclone de... Alors je sais pas si on dit patron nuage ou nuage pattern, j'ai pas trop... j'ai plus en tête, mais je vous mettrai tout de toute façon dans la barre d'infos. Donc c'est une petite robe avec une petite... voilà, des petits boutons là pour la fermer, qui a une belle ampleur. Voilà. Et qu'est-ce que j'ai à dire, j'ai vraiment copié sur Lison Lisonnette, sur l'association, avec des petites rayures comme ça, voilà. D'ailleurs c'est dans ce tissu là que je vais me faire mon t-shirt plantain moi aussi, et je vais sûrement faire un legging à Rosalie aussi. Que dire sur son patron, rien de plus, il est très simple. Ça fait, non franchement, C'est une belle découverte. Je sais pas si vous connaissez, c'est cette marque de patron qui est pas très vieille. Il y a eu un petit gilet, anticyclone. Non, je ne sais plus. Vous irez voir. Donc il y a un petit gilet, un petit sarouel réversible et puis cette petite robe. Et je crois que depuis, elle a aussi sorti un patron de body et de t-shirt avec une encolure américaine. Voilà, c'est vraiment des basiques de la garde-robe, ça se veut évolutif, donc voilà, si vous faites des vêtements pour enfants, notamment un jersey, bah, vous pouvez aller voir, c'est assez chouette. Voilà, bon, tout est dans le tissu, on va pas se mentir, normalement il y a des petites poches là aussi, mais voilà, je lui ai pas mis parce que, je sais pas, j'ai une galère, je sais pas quoi, ça m'a énervée, donc je dis bon, je les mets pas, je préfère ne pas les mettre et ne pas m'énerver. Donc ça, c'est sa première petite robe qu'elle porte, j'aime bien lui mettre avec ce petit gilet. Alors ce petit gilet, hop, je vous les mets sur somme parce que c'est quand même plus sympa à voir. Donc, hop, voilà.
Donc ça, peut-être que vous reconnaissez, donc c'est le joli sweat de chez Silhouette Six. Et le patron, c'est le gilet Irma de chez Ikati, sur lequel j'avais craqué. En fait, je lui avais fait une première version, mais à l'automne dernier, et qui était vraiment trop trop grande, et en plus avec un tissu très lourd, et du coup qui a encore agrandi le truc. Et même encore maintenant que celui-là elle le met, l'autre il lui est trop grand. Donc comme je savais que c'était un petit peu grand, ce que j'ai fait c'est que je suis partie sur la version avec les bords côtes, mais sans les bords côtes. Voilà, donc je l'ai quand même ratiboisé au niveau des manches et au niveau du bas. Il lui est encore un peu grand, mais il faut dire que Rosalie elle a très peu de carrure en fait, donc il lui est un peu grand au niveau des épaules. Mais moi ce que je me dis c'est que c'est vraiment un gilet qui va durer longtemps parce que voilà, au niveau des épaules, comme c'est un espèce de raglan avec un yoke comme ça, il n'y a pas vraiment de marque d'épaule, donc en fait au niveau de la carrure elle pourra le porter longtemps. Et puis après en fait je me suis dit que s'il lui est trop petit des bras et en longueur, rien ne m'empêche du coup de mettre les bords côtes au bout et du coup de rallonger sa durée de vie. J'ai mis alors des petits pressions cam, j'étais partie pour lui mettre des pressions métal, mais je galère à chaque fois. Je ne sais pas, je pense que je loupe une étape, mais alors j'y vais avec le marteau, avec, enfin voilà. Mais en fait, ils ne tiennent jamais. Hein. C'est-à-dire que je ferme et j'ouvre une fois et les trucs sont déjà partis. Donc j'ai fini par tout enlever et mettre des pressions cam. Au moins, je sais que c'est pas tout à fait le même bleu, mais ça passe. Et je sais que ça tient quoi. Et puis alors je m'étais fendue lui mettre donc ma petite étiquette avec une petite étiquette de taille que m'a offert ma copine Nina dans notre calendrier de l'Avent. Voilà, elle m'a acheté des petites étiquettes de taille et puis elle m'en a donné quelques-unes. Donc voilà, 36 mois. Ma fille n'a pas 2 ans. Hein. Elle porte du 36 mois de chez Ikati et du 4 ans du commerce. Voilà. Donc voilà, donc ça j'aime bien le mettre ensemble, hein. je trouve ça plutôt chouette. Voilà, d'ailleurs je crois que j'ai fait une petite photo sur mon fil Instagram où elle porte tout ensemble avec son legging à pois rouille là. Voilà. Et cette semaine, le soleil arrivant enfin, je lui ai fait une autre petite robe. Oh, c'est le chat. Donc il s'agit de la robe Corfou. Je vous la montre de loin. Alors normalement il y a un petit nœud là mais je ne l'ai pas fait. Donc c'est la robe Corfou de chez Ikati Couture. Voilà. Ce que je cherchais, une petite robe toute simple en fait. Moi je fais un... C'est vrai que on parlait l'autre jour avec Lisonnette. Moi j'ai beaucoup de mal à mettre Rosalie en robe. Je sais pas pourquoi. Enfin voilà, je... à volant, à paillettes, à truc, j'ai beaucoup de mal, je sais pas, j'ai l'impression qu'elle est déguisée. Enfin je... Bon. Donc je cherchais vraiment une petite robe toute simple et que je pourrais décliner. Donc c'est la robe Corfou, donc c'est un corsage avec des manches dolman, je sais pas comment on dit. Voilà, qui est fini par une petite parementure parce que dans le dos donc on fait une petite goutte avec un petit bouton. Et puis, alors normalement tout est dans le même tissu et au milieu on vient mettre un élastique. Moi j'avais vraiment envie d'essayer ce côté double matière. Donc le jersey du haut, c'est un jersey qui vient de chez Les Coupons Saint-Pierre et qui, si je ne m'abuse, je pense, est une fin de rouleau de chez Catimini. Donc il a des très jolis petits fruits comme ça. Et comme en fait je voulais pas en prendre 3 mètres, on l'a partagé avec Lisonnette aussi, voilà, donc 1m50 chacune. Et je l'ai associé avec ce tencel bleu clair, jean clair, qui vient aussi de chez Les Coupons Saint-Pierre, et dans lequel moi je vais me faire un pantalon lison. Voilà, et en fait ce que j'ai fait, donc dans le patron, c'est en une pièce et il y a la taille qui est marquée à l'endroit où mettre l'élastique. Moi j'ai coupé à cet endroit-là, j'ai rajouté des manches de couture. Et après, j'ai cousu mon élastique, en fait, dans les marges de couture. Voilà, ce qui fait que bah, sur l'extérieur, du coup, il ne se voit pas du tout. Puis d'autant plus après, quand on met la petite ceinture.
Et alors franchement, il lui va nickel, quoi. Je suis très contente, je pense que je vais lui en faire d'autres. Et peut-être juste récupérer la forme de base du t-shirt parce qu'elle lui va très bien. Et voilà, j'ai mis un petit bouton, là je vous montre, c'est un petit bouton que ma copine Marie m'avait envoyé. Voilà. Et avec une petite bride, pour la petite bride, moi je me suis pas trop embêtée. En fait, j'ai pris un tout petit bout de jersey que j'ai plié en deux. Et voilà, comme ça, comme c'est du jersey et que ça ne s'effiloche pas, j'ai pas de soucis. Et puis j'ai remis une petite étiquette avec l'étiquette de taille. Voilà. Voilà pour ce que j'ai cousu ces dernières semaines. Donc un peu pour moi et un petit peu pour Rosalie. Et puis maintenant, je vais vous parler de mes projets en cours. Alors, mes projets en cours, il y en a plusieurs. Alors déjà, je pense que là, dans le week-end, je vais faire pour moi et pour Rosalie, pour moi un t-shirt plantain et pour Rosalie une petite robe Corfou, dans ce superbe jersey. Donc, qui, là, j'en suis quand même sûre, est une fin de rouleau de chez Catimini que j'ai trouvé chez Les Coupons Saint-Pierre. Donc on est sur un jersey coton maille, il n'y a pas d'élastane, hein, vraiment l'élasticité vient du tissage. Il est quand même très très beau, hein. C'est le motif Mimosa de chez Catimini. Voilà, donc j'en ai du coup 1m50 puisque je l'ai partagé. Et moi je vais me faire un t-shirt plantain. Voilà, je pense que ça ensemble ça sera très très chouette. Et puis pour Rosalie je vais lui refaire une petite robe d'été Corfou. Voilà, comme la dernière, mais du coup en une seule matière. Il est beau, hein, je suis trop trop fan, je le trouve vraiment magnifique. Ensuite je m'étais commandé aussi au Coupon Saint-Pierre cette viscose, vraiment basique, mais en fait ça fait très longtemps que j'ai très envie de me faire une combinaison jazz à une combinaison jazz noire à pois. Alors j'en ai une que je vais aller vous chercher. Alors, je sais pas si vous allez voir grand chose parce qu'elle est mise sur cintre, donc on voit pas trop ça. Je me suis faite l'année dernière, elle est en coton hénin. Je vais essayer de vous faire le nœud pour que vous puissiez voir. Voilà, donc c'est la version de jazz, parce que donc jazz, pour celles qui ne connaissent pas, c'est un patron de Ready to Sew où il y a, mais je sais pas, 1000 versions. 1000 versions possibles. Voilà, et donc c'est... Qu'est-ce que je fais? Ah oui, voilà. Donc ça, c'est la version cache-cœur modifiée pour... je fais n'importe quoi. Qu'est-ce que j'ai fait? Si, c'est ça. Avec un nœud devant. Voilà, bon. Je sais pas si je vais arriver à vous montrer quelque chose de probant. Voilà, et ça, c'est la version short. Voilà, donc j'avais validé dans cette toile coton-lin de chez Driesenstoffen. Et comme a priori elle me va plutôt bien, je vais partir pour la faire donc dans cette viscose noire à pois blanc et avec les jambes larges. Voilà, large et 7/8, je pense. Voilà, donc ça c'est dans mes prochains projets peut-être je vais commencer ce soir, je sais pas. Faut que je regarde un petit peu le patron, parce que du coup il y a plein d'assemblages de bouts de patron à faire pour faire sa version personnalisée. Voilà, donc voilà pour moi, là, les prochains projets qui vont arriver, donc un t-shirt plantain là-dedans et une jazz noire à pois blanches. Et puis, la fête des pères arrivant bientôt. Ah, j'avais pas descendu. Je croyais que je vous avais descendu. Mon chéri m'a offert un cadeau pour la fête des mères qui est magnifique. Bon, en fait, il m'a fait un bon pour quelque chose. Et donc, en fait, j'ai fait ma petite sélection de tissus sur le site de Listelor. Et je les ai laissé choisir ce qu'ils voulaient m'offrir. Et du coup, j'ai eu la surprise, je l'ai reçu ce midi. Mais alors, je sais pas du tout où je l'ai mis. C'est la viscose bleu marine brise d'été, avec des petites fleurs rose blush et rouge vermillon. Et je pense que je vais me faire une robe dedans.
Donc, comme il m'a fait un beau cadeau quand même, moi je vais lui faire des petites choses aussi. Donc, je vais m'atteler à ça. Alors, je vais commencer par lui faire dans cette maille que j'ai aussi reçue aujourd'hui. C'est une maille polo qui vient d'une boutique en ligne qui s'appelle Tissu Ferrari, que je ne saurais que vous recommander pour sa qualité et ses prix imbattables, parce que en général, Tissu Ferrari, c'est des fins de rouleau de chez Petit Bateau. Voilà, donc là, pour un ordre d'idée, cette maille polo, là, c'était, elle est en 170 de l'aise et elle était à 6 euros le mètre. Voilà. Donc je lui ai pris ça et je vais lui faire un polo de la Maison Victor. Je vais lui faire le polo Aspen. Voilà, pour la fête des pères. Je vais montrer le schéma technique. Oui, tout simple. Tout simple, mais je sais que ça lui plaira. Voilà. Et puis, j'ai pas trouvé le patron encore. Mon chéri a une veste. Elle est large, je vais vous la montrer. Une veste type. Veste. Bah, c'était une veste de postier en fait. Voilà, bleu de travail, comme ça. Mais qui est vraiment, vraiment au bout de sa vie. Elle est trouée. Enfin, bon, voilà. Et donc, j'avais envie de lui en refaire une dans ce tissu bleu de travail que j'avais trouvé à, je sais pas, 1,50€ le mètre chez Samitis. Voilà, qui est bien épais, qui est, voilà. Mais je ne me suis pas encore penchée sur la question du patron. Parce qu'en fait, on voit beaucoup de ces vestes-là défiler en ce moment, mais surtout pour les femmes et pas trop en modèle homme. Donc, si vous avez des propositions, je suis preneuse, mais voilà, de toute façon j'irai arpenter les internets pour trouver un patron qui irait et qui soit assez simple quand même, parce que enfin voilà. Et ben voilà pour mes projets couture terminés et à venir. Donc vous voyez, j'ai quand même de quoi faire, mais voilà, j'arrive à reprendre un peu un rythme là. Le mois de mai a été sans trop de motivation, et du coup avec des ratés, avec... Bon, là ça y est, je retrouve mon petit rythme de croisière et de l'envie surtout. Donc voilà, et ben on va passer au tricot. Alors, c'est le bazar, j'ai tout mis en vrac, voilà, et je remets en vrac. Alors, en tricot, j'ai un projet terminé à vous montrer que vous avez dû apercevoir dans mon dernier vlog, mais voilà, que du coup j'ai pas pris le temps de vous montrer. C'est mon pull Erel, hop, de chez Elong avec Anna. Bon, il est un peu froissé parce qu'il était plié. Que j'ai tricoté en soyeuse de chez Fonti, donc c'est avec le coloris 23, c'était rouille, et que j'avais acheté chez Madeleine. Alors j'ai eu un petit peu des déboires avec ce tricot. J'ai eu des problèmes de jauge et d'échantillon en fait, parce que du coup j'avais tricoté mon échantillon au moment où j'ai reçu ma laine, donc ça devait être au mois de janvier, quelque chose comme ça, et le temps a passé et en fait j'ai pas du tout noté quelle taille d'aiguille j'avais utilisée. Et donc quand j'ai pris ce tricot au mois d'avril, c'est de la déca, c'est du 4, d'habitude je tricote la déca en 4, je me suis pas posé de questions. J'y suis allée, voilà, et j'ai quand même eu la bonne idée, arrivée à la séparation des manches, de me dire, tiens, je vais le bloquer pour voir un petit peu ce que ça donne, et surtout je voulais voir s'il allait s'allonger au blocage, parce que je ne voulais pas trop long et j'avais pas énormément de laine, donc je m'étais dit si je peux gagner quelques centimètres à ce moment-là, c'est bien. Et là, je le bloque et le truc devient énorme, quoi. Mais vraiment. Enfin, et pourtant, j'ai pas tiré dessus, j'ai fait super gaffe parce que je voyais qu'il s'élargissait énormément. Et en fait, j'avais 20 centimètres en trop. Je dis bon, ok. Donc là, je reprends ma petite jauge et je fais ah bah oui. Ah bah oui, c'est pas du tout la bonne chose. Et là, je me suis souvenu que j'avais fait mon échantillon en 3,75 et pas en 4. Alors, du coup, j'étais quand même assez affolée de voir comment ce 0,25 de taille d'aiguille pouvait jouer. Mais je pense que ce qui a joué aussi, c'est que
c'est que en fait bah c'est une grosse pièce quoi, donc il y a du poids, il y a beaucoup de laine, enfin voilà, donc en fait forcément bah ça prend quoi, et ça prend pas comme un échantillon. Voilà, donc j'ai détricoté. Et puis j'ai retricoté mon pull, donc je l'ai fait en 3,75 et du coup pour éviter tout déboire, je suis partie sur la taille en dessous et là je retombe bien sur mes pattes, sauf au niveau des manches ou de l'encolure où je trouve un petit peu juste. Je vais pas vous l'essayer parce que vraiment il fait trop chaud, mais voilà. Donc du coup je pense qu'il faudra quand même un moment que je reprenne l'encolure qui me sert un petit peu, mais ça c'est aussi mon rabattage, j'ai du mal à avoir des rabattages élastiques. Et les manches sont un petit peu fitées. Bon, je verrai. Je verrai si à un moment j'ai la foi, pour le reprendre. Mais sinon, il est tout à fait portable comme ça, et je l'aime beaucoup comme ça. Et voilà, et après porter quelques jours, en fait, la maille se détend aussi, et voilà, c'est plus gênant du tout. Donc voilà, mon pull RL en soyeuse de chez Fonti. Je m'étale pas sur le patron, enfin je veux dire, je pense que c'est un patron qu'on a quand même beaucoup vu, mais j'étais très contente de faire et que j'ai adoré tricoter. Vraiment là, le rythme donné par les petits points étoiles, c'est super chouette parce que c'est complètement zéro cerveau et en même temps on est content de voir quelque chose de joli se dessiner. Alors ensuite, je passe sur mes projets en cours. Alors j'en ai deux. Alors le premier là que je vais vous présenter était pas du tout prévu, mais a été complètement commandé par le temps pourri qu'on a eu au mois de mai. Je sais pas, d'un coup j'ai eu envie d'un gros gilet doudou voilà, dans lequel m'enrouler. Et donc j'avais un stock, donc cette laine c'est de la Holzgarn super soft coloris plume. Donc on est sur de la 100% laine, 50 grammes, 285 mètres, donc on est sur plutôt de la light fingering. C'est pas méga doux, mais c'est pas du tout piquant non plus, et c'est une laine très légère en fait. Voilà, donc je l'avais en stock depuis longtemps, mais je savais pas du tout quoi en faire, parce que j'avais pas de quoi la doubler par exemple, et je voulais pas forcément tricoter de la light fingering toute seule. Et du coup, je l'ai associé hop, avec de la brush alpaca silk et c'est le coloris lila. Voilà, et je trouvais que le mélange des deux ensemble est vraiment chouette parce que la super soft est un peu plus foncée, elle vient vraiment donner de la profondeur à la brush alpaca silk. Et ça, c'est. Enfin voilà, moi j'aime beaucoup. Et donc, je suis partie sur le gilet. Ah, il fait très sombre d'un coup, je vais aller. Ah non, c'est pas cool. Hein. Je vais ouvrir un peu. Voilà. Je suis partie sur le gilet Minawet de Elong avec Anna. Donc en fait, c'est un gilet tout en demi-côte anglaise. En fait, il me faisait envie depuis très longtemps, gilet, mais je me disais vraiment, faut que je regarde à quoi ressemble le point. Parce que j'ai pas envie d'y passer des plombs. Bon. Alors le point, c'est tout ce qui n'est pas fluide pour moi, hein, c'est-à-dire un rang avec des côtes et le rang d'après avec des mailles en verre. Moi je suis pas une très grande tricoteuse, je lâche mon fil entre chaque maille, enfin voilà, et du coup c'est vrai que le jersey en droit c'est hyper fluide pour moi, mais le reste je peux mettre du temps et ça peut m'engendrer des douleurs au niveau du coude. J'avais fait une épicondylite l'année dernière, voilà, donc je me suis dit bon, j'y vais tranquille, je fais gaffe, voilà, le but n'est pas du tout de le finir en un temps record, le but est de se faire plaisir et de ne pas se faire mal. Et puis au final, comme il est tricoté en aiguille 5, et ben ça va assez vite. Et franchement, c'est super chouette de voir ce joli point se dessiner. C'est hyper doudou et enfin franchement il va être super doux. D'autant plus que la super soft au blocage, elle gonfle, genre elle fait comme ça, voilà, c'est... je sais qu'elle va bien prendre sa place et tout, je sais pas si j'ai mon échantillon là, mais mon échantillon est hyper doux. Non, je l'ai pas. Si. Donc voilà. Et vraiment...
ça va être un gros doudou, quoi. Voilà. Bon, du coup, ça s'est bien lissé. Puis, je ne sais pas si vous voyez bien, là, il y a des différences de... Hop. Donc, voilà. Là, je suis en train de faire les côtes du corps. J'ai fini donc la longueur et puis je vais attaquer les manches et la bande d'encolure. Je me mets pas la pression pour le finir si je l'ai dans l'été, ça sera vraiment super. En tout cas, j'aime beaucoup ce patron. Il est très simple et en même temps, moi, il correspond vraiment à ce que je mets comme gilet dans la vie de tous les jours, quoi. Donc c'est super. Mon deuxième en court tricot, c'est, alors ça fait un moment que j'y ai pas touché du coup parce que le minaouet est arrivé sur mes aiguilles. Je vous avais parlé du fait que je voulais faire un châle avec mes restes. Alors, attendez, je suis un peu perdue. Voilà, un châle avec mes restes. Et donc j'étais partie sur le châle. J'ai pas la photo. Bon, je vous mettrai la photo et pour le minaouet aussi. Sur donc le châle Natural Woman de Nadia Crétin-Léchaine, donc qui est un châle en diagonale, une écharpe en fait, avec des points en mousse, un point de dentelle, des petites rayures, la dentelle. Et en fait, on fait plusieurs sections comme ça. Il y a 5 couleurs pour arriver à une grande écharpe. Alors, donc, je vous avais déjà présenté ce projet, hein, mais voilà, je le refais. Donc, en coloris principal, j'ai de la Lichen and Lace et c'est Pressed Flower, fleur pressée. Voilà, j'ai un truc là. C'est 80-20 socks, donc 80 Superwash Merino, 20% de nylon, 400 mètres pour 100 grammes. Je sais pas si vous voyez, je suis pas avec le côté de l'appareil qui fait la mise au point. Donc bon, faudra me croire sur parole. Et donc avec, j'ai de quoi faire des coloris contrastants. Donc là j'ai fait le premier. Donc ça c'est de la Tout le matin yarn. Je crois que c'est le coloris désert. Et donc il y a un peu de Stellina dedans, c'est ça, ma chaussette avec de la Stellina. J'ai aussi scalé avec, donc c'est un blanc avec plein de petits speckles comme ça, et aussi de la Stellina. Mais bon, ça je sais pas trop comment je vais pouvoir l'utiliser parce que j'en ai vraiment pas beaucoup. Le violet donc, que vous voyez ici, c'est de la Abril de chez Malabrigo. Le bleu que je vais mettre là juste après, c'est de la Côte d'Azur, toujours de chez Malabrigo. Oh, on voit rien du tout, je suis vraiment désolée. C'est un bleu noir, très profond. Et puis j'ai aussi un petit reste de Plomo, toujours de chez Malabrigo. Et voilà. Donc franchement, la dentelle est hyper simple à retenir. Et quand je m'étais mis à le tricoter là... Enfin voilà, en une soirée, je faisais une section de dentelle et une section de rayures. Enfin voilà, ça allait franchement assez rapidement et sans se prendre trop la tête. Donc quand je le reprendrai, je le reprendrai et ça sera super. J'ai d'autres projets tricot que j'ai envie là de mettre sur mes aiguilles, mais j'ai pas le temps de vous les montrer là, faut que j'aille chercher ma fille. Et puis voilà, je vous en parlerai quand ils seront déjà mis sur mes aiguilles. Il y a un gilet là que j'ai. Hein. Une fois que le minaouet sera à peu près bouclé, je pense que je passerai à celui-là. Voilà, j'espère que j'ai pas trop parlé comme un lance-pierre, que la luminosité n'était pas trop pourrie. Je vous laisse là pour aujourd'hui. Et puis je viendrai vous donner mes nouvelles très rapidement. En attendant, vous pouvez toujours me suivre sur mon compte Instagram chez Marette. Et je vous dis à très bientôt. Salut !